Et responsable du rassemblement des jeunes officiers au Tchad en collaboration avec la confrérie Tidania a organisé le 79e festival de la confrérie Tidania. Cette rencontre a lieu à la mosquée Hassane Hissen, ici même à N'Djamena. C'est dans le 4e arrondissement. Reportage Mamad Souleymane. Le 79e festival de la confrérie Tidjania a vu la participation de plusieurs fidèles musulmans. Ces assises ont permis à ces religieux d'échanger sur des sujets relatifs à l'enseignement islamique et de renforcer leur foi selon les principes de la confrérie Tidjania. Au cours de cette rencontre rythmée des prières et des louanges, les fidèles ont invoqué les Tout-Puissants pour que leurs prières soient exaucées. Au nom du comité d'organisation, le cheikh Zine Abidine Souleymane à remercier les participants. Pour lui, cette rencontre est bénéfique en ce sens qu'elle dispense l'enseignement islamique. Le chargé de prédication de la confrérie Tidjania, Cheikh Mohamed Al-Mahad Senoussi, a quant à lui entretenu le public sur la vie du prophète Mohamed, paix et salut soit sur lui. De son côté, le secrétaire général de la confrérie Tidjania, Cheikh Ibrahim Omar Angare, se réjouit de cette forte mobilisation. Il a mis l'accent sur la valeur de la confrérie Tidjania. Ibrahim Omar Angare, de poursuivre que l'islam est une religion qui prône la paix et la tolérance. Pour ce faire, il invite les fidèles à la culture de la paix, à l'unité et à la solidarité. Il demande aux uns et aux autres de préserver les principes de la confrérie Tidjania et les valeurs religieuses et sociales.